étant sponsor de l'équipe nationale et des Diables depuis 8 ans déjà, on s'est dit que c'était le bon moment pour en fait passer peut-être à un nouveau palier, à une nouvelle étape. Et on s'est dit que voilà, il fallait peut-être faire nos premiers pas dans le football amateur pour voir ce que nous, en tant que marque, partenaire du football, on pouvait apporter à des clubs amateurs. Alors, puisqu'il faut bien démarrer et qu'il faut apprendre beaucoup de choses, Salvatore Curaba, à ce moment-là, avec son idée et avec ce club qui avait une approche résolument différente, un autre modèle, une autre gestion, on s'est vraiment retrouvé dans cette approche innovante et on s'est dit voilà, pour démarrer quelque part, c'est probablement le club qu'il nous faut pour qu'on puisse avec eux essayer de tester une série de choses et de voir ce qu'on peut dans le futur apporter au foot amateur. Je pense qu'on a une vraie proximité avec les équipes, on se retrouve vraiment bien, on s'entend très bien d'abord. Pour ING, c'est vraiment important de ne pas être qu'un partenaire financier. C'est pas, évidemment, on sait tous que tout le monde a besoin de finances pour pouvoir faire tourner un club, mais c'est vraiment d'être un partenaire au quotidien. Et on s'est dit, mais voilà, notre intention, c'est de pouvoir faire bénéficier des clubs amateurs de choses auxquelles nous, en tant que marque sponsor des Diables Rouges, nous avons accès. Donc par exemple ici, les infrastructures à Tubize sont des choses auxquelles les Diables ont accès. Nous avons nous-mêmes financé le système de technologie que les Diables utilisent, mais tous les moments où les Diables ne sont pas là, ben, ce matériel n'est pas utilisé. C'est certainement un test, et comme je disais, pour qu'on apprenne beaucoup de choses. Alors on sait qu'on pourra apprendre plein de choses différentes en allant aussi dans d'autres clubs. Simplement, pour une grande marque comme nous, ben, il faut bien démarrer quelque part, il faut apprendre des choses et voir aussi où est-ce qu'on a une vraie valeur ajoutée et où est-ce qu'on sera vraiment utile. Évidemment, on doit se le dire, on n'aura pas la possibilité de sponsoriser tous les clubs de Belgique, ce ne sera pas possible. Mais peut-être qu'il y a d'autres moyens de se rendre utile aux clubs et à la jeunesse à travers des initiatives où on propose des choses pour aider plutôt que de vouloir être partout, alors que malheureusement, ça, ce sera quelque chose qui ne sera pas possible pour nous.